on se met un peu du violet de l'autre côté. On se prépare. Tu caches le truc, sinon. Peut-être commenter le discours, peut-être, non? Vas-y, go, go. Yann, les discours politiques continuent de nous inciter à porter plainte. Sans suite. 80% des plaintes pour violence au sein du couple sont classées. Sans suite. 65% des victimes de féminicide avaient saisi les forces de l'ordre ou la justice. Sans suite. 2 victimes sur 3 font état d'une mauvaise prise en charge lorsqu'elles veulent porter plainte. Sans suite. 90% des plaintes pour harcèlement sexuel au travail sont classées. Sans suite. 99% des viols ne sont pas condamnés. Sans suite. 92% des enfants qui parlent des VSS ne sont pas protégés. Sans suite. En 2021, les plaintes pour violence en raison de l'orientation sexuelle ou l'identité de genre ont augmenté de 22%. Et pourtant, les victimes font toujours état d'un traitement LGBTQIA+ phobe de la part de la police. Sans suite. Quand certaines, parmi les 80% des femmes handicapées victimes de violences sexistes et sexuelles, où les 90% des femmes autistes victimes de violences sexuelles trouvent le courage de porter plainte, leur parole est trop souvent décrédibilisée. Sans suite. Quand 69% des femmes racisées sont victimes de propos discriminants au travail et choisissent de saisir la justice, elles se retrouvent devant l'institution qui les discrimine et perpétue des oppressions racistes. Sans suite. Quand un professeur et gynécologue est visé par 36 plaintes au pénal pour viol et agression sexuelle par ses patientes, il continue d'exercer. Sans suite. Dans 84% des plaintes pour VSS, aucun suivi et accompagnement n'est proposé. Sans suite. Et quand le préfet de Paris commande un rapport sur l'accueil des victimes de violences sexistes et sexuelles dans les commissariats, il le censure pendant 2 ans. Sans suite. Quand un ministre est accusé de viol, il suffit qu'il ait une discussion avec le président de la République pour prouver sa bonne foi. Sans suite. Si un policier est enregistré en train d'insulter une victime de viol de grosse pute, la justice estime qu'il n'y a pas de preuves suffisantes et classe l'affaire. Sans suite. Les femmes, personnes LGBTQIA+, et enfants n'ont pas attendu MeToo pour parler de violences qu'ils subissent. On attend que la police et la justice reçoivent les moyens de les écouter. Le collectif Nous Toutes demande un budget de 2 milliards d'euros par an alloué à la lutte contre les violences de genre pour permettre un réel accompagnement des victimes. Nous réclamons aussi l'adoption d'une loi cadre qui posera les principes d'une réforme de la lutte contre les violences, notamment en termes de protection des victimes. Cette réforme doit comprendre la formation obligatoire et continue des professionnels de la santé, de la police et de la justice, la création de brigades et de juridictions spécialisées en matière de violence de genre, le déploiement massif des dispositifs de protection existants comme les ordonnances de protection, les hébergements d'urgence et les bracelets anti-rapprochement pour que nos vies ne soient plus classées sans suite. Ça va pas bien se passer. Impunité. Ça va pas bien se passer. Impunité. Ça va pas bien se passer. Impunité. Ça va pas bien se passer. Qui sème l'impunité récolte la colère. 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 Prends ma place, c'est mon droit. Prends ma place, c'est mon droit. Ça va pas bien se passer. Sexisme à la télé. Ça va pas bien se passer. Ça va pas bien se passer. Violeur à l'Assemblée. Ça va pas bien se passer. Impunité. Ça va pas bien se passer. Ça va pas bien se passer. Violeur à l'Assemblée. Ça va pas bien se passer. Impunité. Ça va pas bien
Ouais, du coup, bon, ça vaut pas le coup, si on est que deux à la fenêtre. Et féministe et radicale et en colère, nous sommes fortes, nous sommes fières. À l'intérieur, un complice à la justice, un violeur à l'intérieur. Thank you.